T'es pas entré dans le top. Oui, on pense. Ouais. Maintenant, t'es dans la série. Maintenant, t'es rentré où, maintenant? Bonsoir à toi, Bigard. Attention, mon petit gars. Quelque chose de pas joli. Veux-tu que je le répète, Fabrice? Oui, ton petit bonnet. Vas-y. T'es pas rentré dans le top 5. Non, non, ça te fait un gentleman. Bon, alors écoutez, maintenant ça suffit comme ça. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Allez voir les noces ce soir. Bonsoir. Vous allez commencer à faire bablette. Puisque quand vous étiez debout le premier, on va rire. Ah ben, il va rire. Ah, pourquoi des menaces? Il est drôle. On va rire, on va rire. Bravo, Blaise. Bravo. Qu'est-ce qu'il est drôle. Bravo. Bon, ça suffit, assis. C'est une petite vieille qui est assise devant la cheminée avec son petit chat sur les genoux. Et arrive une petite fée avec sa baguette et lui dit: tu n'as qu'à demander, faire 3 vœux et je les exaucerai. Elle dit: je voudrais être une très belle jeune fille. Elle dit: tac tac, un coup de baguette, elle devient une superbe jeune fille blonde. Je voudrais que avoir des bijoux partout, je vais être couverte de bijoux. Et alors les bijoux, des saphirs, des diamants, des émeraudes partout. Et je voudrais que mon chat qui est là, je voudrais qu'il devienne un superbe jeune homme. Elle donne un coup de baguette et le chat devient un superbe jeune homme extraordinaire. Ah oui, Il se retourne vers sa maîtresse et il dit: tu vois, c'est l'année dernière, si tu ne m'avais pas fait castrer. Oh oh, elle est bonne. Oh, elle est bonne. Oh, elle est bonne. Bravo. Bon. Vraiment, elle est de très mauvais goût. Très mauvais goût. Oh, casse ça. Il y a des enfants. C'est vous les animaux, 30 millions d'animaux. Oh, ça veut dire pas castré. Ben, c'est ce qui vous est arrivé il y a 2 ans, mon petit bonnet. Alors, 12. Pourquoi tu dis ça? C'est un habitant de Castres. Asseyez-vous, Blaise. Pompon. Triste spectacle que j'ai vu. Triste spectacle que j'ai vu d'une jeunesse livrer trop tôt à des plaisirs qui ne sont pas les siens. C'est exact. Mon petit bonnet. Bravo. 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 Aujourd'hui. Faire un squash. Peut-être. Faire un squash avec la gaffe. Oui, alors, mais il faut découvrir quoi? Découvrir un dicton dont on a fait un film. Un dicton dont on a fait un film. Tout ce que nous allons dire, tous les éléments sont contenus dans notre discussion. Ah bon? Alors soyez attentifs et silence des autres. C'est tout dans le dialogue. Non mais tu as vu? Oui. C'est pas possible. Ah ben si, je te dis, j'ai vu le concert de Bézu, il y avait au moins 100 fans. Mais enfin, tu me dégueulasses. Ah non, je t'assure, c'était vous. Oh, c'était vachement bien. Mais ils sont dingues. Mais pas du tout, ils sont pas sourds du tout. Bon, lui, il est un peu connard, mais autrement, toi, t'es bien, hein. Ah, bah, pas eux, alors. Ah non, pas eux, mais autrement, il y avait au moins 100 fans, et puis alors, c'était super. Ah bon? Voilà. Ah ben, ça sera c'est quoi, tout. Alors, c'est un film? Un titre de film. Un dicton devenu un titre de film. Ouais. Bon, cherchez tous Michel Bonnet, Jean-Jacques Debout. Bravo la bonnette. Eh ben tout va bien. Ah oui. Tout va bien. On va vous faire quelques nouvelles à la Bigarre. Eh oui, qu'on lui a volé. Donc ça veut dire que si c'est pas drôle, on rit quand même. On fait comme pour... Merci Michel. Vous faites comme pour lui. Hein. Alors politique. Merci. Politique à l'Assemblée nationale, Jean-Marie Le Pen n'a pas pu terminer son discours sur l'absentéisme parlementaire, car le député qui devait lui amener n'est pas venu ce jour-là à la Chambre des députés. Voilà. Oui. Merci, merci. C'est Bigarre. Merci. On a retrouvé le chat de Blaise. Non, ah, non, c'est chose. Média, on annonce un nouveau jeu télévisé dans les prochains jours. On ne connaît pas la chaîne qui diffusera cette émission, on ne connaît pas les règles, mais ce qui est certain, c'est sûrement Fabrice qui présentera le jeu. Rire. Fait divers, Alicia Price a gagné un prix de beauté. Oui, non, oui, non. Rassurez-vous, c'est en tirant une carte de chance au Monopoly. Ah, oui, ouais. Alors celle-là, elle était drôle, vous riez pas. Celle-là, ouais. Politique, oui, mais merci, toi, c'est ton métier. Oui. Politique. Il le fait bien, il le fait bien. Politique et cinéma. Monsieur Jean-Marie Le Pen veut déposer un recours auprès du Centre du cinéma afin que l'on modifie le titre du film Un tramway nommé Désir. Ah, il veut qu'on l'appelle un tramway nommé Dupont. Oui, c'est ça, ouais. Moi, ça me fait rire. Oui. Bien. Après l'augmentation de la taxe du téléphone, le syndicat des bègues a protesté parce qu'ils ne sont pas égalité avec les non-bègues. Le ministre... Oui. Non, mais c'est après qu'on regarde. Ah, hein. Et le ministre de la Communication a tranché. Désormais, les non-bègues seront obligés de répéter 3 fois le même mot en téléphone. Hein. Ouais, je ne connaissais pas, j'avoue. Ça bouge dans le monde artistique, puisque Gonzague Saint-Brice a fait quelque chose de bien. Non. Oui, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est lui qui le dit. Ah bah... Samantha Fox, dont les avantages d'armature ne sont plus à démontrer, hein, a accepté de prêter son concours pour la promotion des autoroutes. Faut dire qu'elle est bien équipée, 1,8 km à l'avant. Mais
on avait demandé à Sandra, mais elle a refusé. Elle a refusé. Défense de la langue, défense de la langue française. Ouais. On signale à nos amis qui pratiquent les langues étrangères que Polanski, ce n'est pas le pluriel de Polanka. Ouais. Faut le savoir. Ah oui. Merci. Ah, merci. Hein, c'est des amis aujourd'hui. Ça va très bien aujourd'hui. Hein. Oui. Un odieux commerce illicite vient d'être stoppé par la police de redoutables malfaiteurs volés des chiens de garde. Oh, c'est pas bon. Merci. Pour les revendre au noir, heureusement, la police a mis fin à ce trafic de dogs. Oui. Sport, football, sport. Mais j'ai scouillé, tranquille. Tu sais pas, les droits pas. D'auteur tombent. Ah, sport, football, Sochaux Banim, 0 à 3. Ah bon? Oui, ça paraît qu'il gagne, mais enfin, ouais. C'était les chouchous de l'arbitre, c'est comme ça. Ah, ouais. Division, banlieue, Montrouge, Bagneux, tu vois, c'est une référence à Bigard, ouais. 2 à 0. Entre les deux, mon cœur balance. C'était pas mal ouais. Non plus, hein. Les progrès non, de la c'est science. Pas grave, c'est pas grave. On lui expliquera tout à l'heure. Bon. Oui, non, c'est bon. Les progrès de la science vont bon train, puisque Lynn Renault vient d'être maman d'un bébé éprouvette. Eh oui, malheureusement, les docteurs n'ont pas voulu sortir le bébé de l'éprouvette. Merci, Lejeune. Merci. Jean et Dernalier, l'alter ego intellectuel de Gonzague Sabrisse, a dit récemment quelque chose d'intelligent. Oh. Oui, mais c'était dans sa baignoire, il n'y avait pas de témoin. Ah bon. Et pour terminer, social, ça va mal. À Disneyland, les patrons des manèges, à Disneyland, le patron des manèges ont promis déjà de faire des grèves tournantes. Merci beaucoup. Il n'y a rien de broché, hein. Il n'y a rien de broché, hein. On a été soutenus par... Merci. Moi, il faut soutenir nos camarades. Là. Il faut noter nos camarades. Pour avoir oh là. Utilisé ce qui est interdit dans le métier du spectacle, première règle de base, de c'est-à-dire une allusion intramuros que tes spectateurs ne peuvent pas comprendre. Sandra, depuis tant que j'en parle... Bah, personne ne sait qui c'est, mon pauvre ami. C'est notre productrice, mais ils ne peuvent pas se rendre compte. Alors... Mais si, je l'ai bien expliqué 20 alors vous fois. Aurez un point en moins, ça vous apprendra. Oh. Elle est vous n'aurez que 17. Voilà ce que je veux dire. C'est bien c'est payé. Tout. Combien, 17? Et c'est bien payé. C'est très bien payé. Mesdames, messieurs, voici les trois énigmes pour découvrir notre personnage du jour. Oh. Oui, bon, ça va bien. Ah. En 1973... Pourquoi tu te marres? J'ai le droit de rire. Tu vas arriver, Sandra. Oui. Alors. C'est-à-dire que j'ai eu peur qu'elle me repousse de mon fauteuil. Après tout, elle n'est qu'à 30 mètres, alors. Ouais. En 1973, notre personnage joua à Cayenne un rôle important auprès de Papillon. Oh. Notre personnage fut un récidiviste en 77 oh. Et notre personnage s'est appelé Kramer en 70 oh. Facile. Monsieur, trois réponses. Je fais toujours oh, oh mais je ne trouve jamais. Ça n'a pas l'importance, l'essentiel c'est de faire semblant. RTL, deuxième réponse, lundi dans Casino Parade. Ça, bien entendu. Facile. Là c'est extrêmement simple c'est et c'est là que se passent les coups de téléphone qui vous concernent bien entendu. Ça c'est difficile. Sur FR3, vous venez d'avoir la première réponse. Et le mot joker de Téléstar, vous l'avez en permanence. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bézure, tournez à votre place. Bézure, lâchez-la. Voulez-vous lâcher la productrice, espèce de malhonnête? Voulez-vous la lâcher? Bon, enfin, c'est scandaleux. Mais voulez-vous, Bézure, revenez immédiatement. Ils y sont tous. Mais c'est une honte. Oh, bravo. Mesdames et messieurs, elle est fou. Oui, bon, voici ça... Voici mademoiselle Sandra Blesset. Ça va bien. Ça va bien, ça oui, bon, bah, d'accord, bah, ça va bien comme ça. Voulez-vous la lâcher, Bézu? De toute façon, Bézu. De toute façon, vous ne lui feriez pas grand mal, alors je vous en prie. Bon, un monde, ça. El Château, Franco. Ah. Alors, pour tous les accordéonistes du monde, il y en a une chanson de Piaf. Ah, ah. 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 Un petit oiseau. Vas-y. La fille de joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bar. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java.
pour avoir interrompu ses camarades, zéro de conduite. Taisez-vous, oh, ça vous apprendra. Réponse du calembour pompe. Je vais vous dire, effectivement, hein, d'abord, c'est plus une java, c'est une valse, là, c'est un petit trois temps, hein, et en plus, ça me rappelle une autre chanson, une histoire de piano métallique qui faisait plus de bordel que de musique. Hein. Oh, zéro de conduite, pompon, pour dire des gros mots devant les enfants. C'est pas un gros mot. Faut le faire castrer. Zéro. Ça lui rend par le bas, par le haut, à lui. Voilà, Gafounet, zéro. C'est drôle, Laissez-vous, Gafounet. Gafounet. Taré, là. Qu'est-ce que vous venez de dire, Gafounet? Taré. Il a dit taré. Alors sortez, Gafounet. Gafounet, carton. Je comprends. Elle l'a mérité. Elle l'a mérité. C'est rien qu'une pauvre fille. Oui, bah sortez, hein. C'est classe de jeudis. Quand il s'est fait castrer, vous voyez. Écoutez, Bigard, voilà, vous aussi, zéro. On apprendra. Pompon. Alors, je vous la donne, la réponse. Oui. Non. Non, d'abord, rappelez-nous et faites le mouvement. Ah, oh, mais t'as vidé l'autre folle, alors. Ça m'est égal. Ah bon. Il arrive sur le manchot, lui aussi, encore, là. Alors. Je crois qu'il m'en veut, quelque part, Pompon. Taisez-vous. Non. Non. Qui a dit quelque part? Non. Bonnet, zéro. Non. Son poil, c'est... Allez-y. Quelque part. Alors, vous avez vu, dit qu'il y a ce tube, ben... Mais tous les mots étaient dans ce qu'on a dit, là, vous comprenez? Bon, alors vous nous avez dit... de Bézu. Un proverbe qui est devenu... Les 100 femmes. Un dicton qui est devenu un film. Film. Blaise. Tante qui aura des hommes. Ah, 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 des hommes, ah, hein, attention. Hein. Il est pas mal. Il aurait pu être pire. Hein. 16. Merci. Le jeune. Comme la gaffe était un peu comme ça, certains l'aiment chaude. Oh, bah, oh, oh, bien le fait. Jeune, vous craquez. Ah, j'ai la porte ouverte. Hein. Alors. C'est comme des poètes bonjour, hein. Alors, il ne faut pas prendre les 100 fans du tube odieux pour des connards sourds et vaches. Des connards. Je n'ai rien compris. Il faut prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Oui. Ah oui, ah, il est gratiné celui-là. Il faut pas prendre les... Très mauvais. 5, sortez. 5, ce sont 5, 2. C'est tout ce que j'avais à dire. Gustave Parking. Bravo. Bon, je vais essayer. Je suis désolé, hein, j'essaye d'élever le débat. Sortez, hein. Je vais essayer d'élever le débat en faisant une aventure intersidérale avec une valise. Vous allez voir, vous allez être sidéré. Alors ça, c'est une valise. Alors vous avez un magnifique lever de soleil, magnifique coucher de soleil, lever de soleil, coucher de soleil, une semaine. Voilà, très joli. En plus, un lever de soleil incassable, incassable. Ensuite, vous avez la planète invisible, très jolie. Sinon, vous avez la planète bleue, toujours verte, surtout quand elle est rouge. Sinon, vous avez la planète rouge, toute seule, avec son satellite. Ça change une fois par an, c'est très très joli aussi. Avec ses habitants, qui ont des Walkman, aussi ils ont les yeux rouges. On va interviewer un habitant. Qu'est-ce que vous pensez d'habiter sur la planète rouge? Il n'est pas très loquace. Voici la planète camembert, très jolie aussi. Enfin, elle sent un peu, celle-là. Ensuite, vous avez la voie lactée, très, très pratique, voie lactée. Ensuite, vous avez la planète moumoute, qui est très très jolie aussi. Planète moumoute, la galaxie moumoute, très jolie. Et enfin, la queue de la comète, très très jolie aussi. Sinon, vous avez Roger, Roger l'intrépide qui navigue dans la voie lactée. Super. Roger, ça va bien. Brusquement, un orage électromagnétique. Roger ne sait plus quoi faire. Roger, fais quelque chose. Saute, Roger, saute. Et Roger qui saute. Et voilà, Roger qui saute. Super, vous êtes médusé. Roger qui saute. Oh, Roger, ça va pas. Je vais chercher Roger. Roger, où es-tu? Je ne te sens pas bien au bout du fil. Roger, c'est un spécial galactique, ça. Roger, où es-tu? Ah, le voici. Oh là là, il est mal en point. Roger, fais quelque chose. Ah, il est mal en point. Je vais lui faire le bouche à bouche. Bon, je n'y arriverai pas. Je vais lui faire un massage cardiaque. Roger, opération de Roger. Roger, serre les dents. Fais quelque chose. Serre les dents, Roger. Serre les dents. Roger, massage cardiaque. Roger, oh, il perd du sang. Roger perd du sang, c'est incroyable. Roger, fais quelque chose. Roger, mais il ne reste plus rien. Roger est blessé. Ah, il est blessé un peu partout. Ah, il est blessé dans la tête aussi. Roger. Ah, voici ce qui reste de Roger. L'intestin. C'est un intestin de Vénusien. Je vous assure. Hein. Ouais. En fait, c'est un spermatozoïde de Martien. C'est bien, je vous assure, c'est beaucoup plus rare. Je vous explique. Ici, vous avez le flagelle. Et ici, le flagelle. Et ici, le flageolet. Vous allez voir, ça va péter. C'est un martien. C'est un mâle. Ah oui, c'est un martien. Attention. Je lâche pas parce qu'après, il y a le mâle qui va dans la foule et ça peut contaminer. C'est super, vous allez voir. C'est un très joli martien. On appelle ça un étalon. C'est un martien étalon. Et comme les martiens sont étalons,
Le problème, c'est que c'est un ancien qui n'arrive pas à se retenir en place. Voilà, très bien. Vous allez voir. Je vais vous faire l'estomac dans les talons. Alors ça, c'est l'estomac du martien. Et ça, c'est les talons. Hop, et ça fait l'estomac dans les talons. Et ça forme, évidemment, un gastéropode. Je peux vous faire autre chose. Même, je peux vous faire... Tiens, pour finir, je vais vous faire un truc encore plus spatial. Je vais vous faire... Vous allez voir. Très joli, c'est un peu tordu, mais c'est très joli. Une couronne d'épines. Joli. C'est pour faire spatial. Parking. Parking. Oui. Vous devenez fou là. Un peu, oui. J'aime tellement ça. Bon, alors je tiens compte quand même de votre état nerveux. Je vais vous mettre un 17 à cause de votre état nerveux. Oui, oui, oui. 17 et demi. Bon. Dites donc là-bas, hé. C'est Pompon. Bon, Pompon viendra me voir après la classe. Muriel. Non, on n'a plus le temps. Bon, très bien. Alors.